Nous avons choisi de vous présenter cinq médias indépendants que nous apprécions et suivons avec intérêt. Il y en a bien d'autres. Faites vos propres recherches et suivez les médias qui vous inspirent. Le tout premier média que nous vous présentons est sans surprise Antipresse, fondé par Slobodan Despot fin 2015. Si vous aimez la langue française et la littérature, Antipresse vous séduira par la qualité de ses textes et par ses nombreuses références littéraires. Les articles publiés sont denses et riches, les sujets d'actualité ne sont pas épargnés et nous emmènent sur des voies surprenantes, inattendues et promptes à de nombreuses réflexions. Des articles voués à la beauté et à l'exploration des sens apportent cette inspiration nécessaire en ces temps de naufrage. La mise en page est simple, soignée et pensée pour l'impression à qui préfère lire sur du papier qui laisse au sens kinesthésique sa noble place. Satrapolis vous a présenté cette revue début 2023. Nous vous invitons à l'écouter pour avoir une vue d'ensemble plus complète de ce qu'Antipresse nous inspire. Idriss Aberkane se présente comme journaliste citoyen et nous propose de décrypter l'actualité sur le vif. Précis et incisif, il nous offre également de nombreux entretiens avec des personnalités évincées des médias d'État. Omerta est un jeune média qui a rapidement conquis ses lecteurs. Porté par Régis Le Sommier, grand reporter, ce média met à l'honneur le métier de journaliste. Entre des reportages et des documentaires de qualité, une revue soignée et des analyses de l'actualité qui ouvrent le débat, Omerta devient un média incontournable. Tocsin est une très jeune radio née en septembre 2023 et plébiscitée aujourd'hui par près de 200 000 auditeurs. Clémence Oudiakova, cofondatrice, s'entoure de chroniqueurs attachants, en particulier les Tintins, et le duo incontournable formé par Alexandre Langlois et Régis de Castelnau. Elle nous propose des invités variés qui laissent la place à la liberté d'expression. Enfin, Nexus se présente sous la forme d'un magazine bimestriel de belle facture, avec des illustrations originales et des articles qui abordent de nombreux domaines, les décortiquant à la loupe. Initié par Marc Daou, Nexus est bien implanté dans le paysage médiatique des indépendants. Thank you.